Alors, le Grand Prix de France pourrait être en alternance avec un autre Grand Prix. Donc, un Grand Prix de France tous les 2 ans. C'est ce qu'évoque Christian Estrosi, qui était à Monaco, qui a rencontré Domenicali. Il déclare que, au terme de l'édition 2022, le 24 juillet, Monsieur Domenicali a dit oui, un oui de principe à ce que nous ayons une prochaine édition. Il a dit que dans le calendrier de la F1, la France y figure sur un modèle qui doit évoluer, puisque eux-mêmes discutent avec plusieurs autres rendez-vous sur le calendrier, sur le fait que tout le monde n'aurait pas forcément un Grand Prix tous les ans. D'autres courses dans Spa-Francorchamps pourraient suivre le même principe. Je suis plutôt conquis à l'idée de faire une édition tous les 2 ans, ça a vraiment du sens pour monter en garde, monter un niveau par rapport à d'autres Grands Prix sur la planète. Conclut Estrosi qui devrait en savoir plus d'ici septembre. Bon, de toute façon, oui, ça va pas me manquer, un hein, Grand Prix de France, ouais, c'est bien, c'est une bonne idée. Après, de là à dire que c'est un avantage qu'il y ait un Grand Prix tous les 2 ans au lieu de tous les ans, je suis pas trop sûr, mais bon, il veut garder la face, hein, Estrosi. Je pense que c'est un peu ça l'idée. Alors après, avec quel Grand Prix il sera en alternance, ce circuit? Je sais pas du tout. Si c'est genre, je sais pas, la Hongrie au pif, pourquoi pas, à la limite. Par contre, si c'est avec Spa, qu'on ait Spa tous les 2 ans, ça m'ennuierait un peu plus. Parce que Spa, je veux le voir toutes les saisons, moi. Je veux pas le voir tous les 2 ans. Donc écoutez, affaire à suivre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao.